m'appelle Hervé Vertra. J'ai 57 ans. Je suis marié et j'ai deux filles de 25 et 27 ans. Coucou. À l'arrivée, il faudra lâcher papa, hein. Maintenant, j'ai la maladie de Charcot, qu'on appelle aussi SLA, sclérose latérale amyotrophique. Allez, chou. Et t'as fait 10 km en combien de temps? Papa, il a fait 10 km en 38 minutes. Vous me faites un beau sourire maintenant, les puces? Coucou. Début 2018, en fait, j'avais remarqué qu'il marchait un peu moins bien. Je pensais que c'était un problème à l'oreille interne, comme souvent ce qu'on peut penser quand on a des problèmes d'équilibre. Il tanguait un peu quand il marchait, comme quelqu'un qui boite en fait, mais en de plus en plus accentué. Des pertes d'équilibre, des fasciculations, c'est-à-dire des tremblements dans la cuisse. C'est marrant parce que j'ai comme un flou. J'ai l'impression de ne pas m'en souvenir. Je me souviens, je le taquinais souvent. Il marchait un peu les jambes écartées et je lui disais « ça va pas, comment tu marches, c'est bizarre ». Ça s'est fait de façon progressive. Je n'arrivais plus à monter les escaliers. Moi, bêtement, je pensais que c'était un manque de magnésium. Et notre médecin traitant, lui, a pensé tout de suite que c'était sans doute neurologique. Il faut vraiment qu'on aille faire des examens. Enfin, c'est pas quelque chose de connu d'avoir des spasmes, surtout là, au niveau des jambes. Enfin, voilà, on était vraiment dans le flou. Vas-y. 1, 2, 3. Laisse les chaussures ou on te les enlève quand même? Non, laisse-les. Laisse, parce qu'elle arrive dans ouais. Une demi-heure. Ouais. Repose-toi un petit ça peu. Ça va aller comme ça. Voilà, ça va. La maladie m'a d'abord attaqué au niveau des jambes. Les signaux, c'était d'abord en avril 2018, mais le diagnostic a été vraiment posé en septembre. Des fois, on pense que ça peut être quelque chose de vraiment minime, mais finalement, on s'attend pas du tout à vivre ce qu'on vit maintenant. Je pense pas qu'on se soit dit tout de suite que c'était quelque chose de grave. Vous avez le profil de la SLA, donc on se dit c'est quoi la SLA? Jamais entendu parler. On se rend pas vraiment compte de ce que ça va engendrer. C'est la sclérose latérale amyotrophique. Ok. Donc Hervé lui dit, bah, y a quoi comme traitement? Bah, y en a pas. C'est comme si je savais déjà au fond de moi ce qui est en train de se passer. On va vivre quelque chose de vraiment compliqué, mais je pense qu'on s'imagine, enfin à l'époque, on s'imaginait pas à ce point-là en fait. Je l'ai pris honnêtement en pleine figure, de façon très brutale. Et puis on nous laisse comme ça. Thank you.
le choc, la peur, et il y a eu ce côté vraiment où c'était plus moi qui demandais à papa de me rassurer et de lui dire, bah, de me dire justement, de me dire que ça va aller. Les neurones meurent petit à petit et du coup, les informations ne sont plus envoyées à tes muscles et du coup, de moins en moins, tu commandes ton corps. Le temps de faire la route à pied, ben, on était très silencieux. Je crois qu'on cogitait tous les deux à se dire qu'est-ce que c'est que ça. Puis dans le train, on s'est dit, t'as compris la même chose? Ben oui, pas de traitement. Je me souviens, c'était dans la cuisine de l'ancienne maison, on se retrouvait à quatre en fait, ben, pour parler, pour être finalement conscient de ce qui allait se passer sans vraiment l'être. Ensuite, il y a eu une aide avec une canne qui l'aidait justement à mieux trouver l'équilibre quand il marchait. Et puis progressivement, après, on est venu vers le fauteuil. On avait vaguement entendu parler de la maladie de Charcot, comme beaucoup entendent parler de Charcot, mais en fait, tant qu'on n'est pas concerné, on n'approfondit pas. Concrètement, tu te paralyses petit à petit, mais tu ne peux rien faire. Et la chose importante à savoir, c'est que tu gardes toute ta tête. Attention, je mets en route. De toute façon, il n'y a rien à voler ici à part ma femme. Faut tirer un petit peu là-bas. Voilà. Tu peux avancer un petit peu ça? Avancer quoi? Le boîtier, là. Tire-le vers toi. Voilà, c'est bon. Allez, on se met en route. On se dirige vers le cinéma aujourd'hui. On va voir un film qui s'appelle Blackbird et qui raconte en fait l'histoire d'une femme atteinte d'une maladie incurable, en l'occurrence la maladie de Charcot, et qui réunit sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, pour leur annoncer sa décision de mettre fin à ses jours de façon à ne pas subir la maladie. Vous me direz quand je peux reculer, hein. Quand on est rentré, on n'a pas tout de suite pensé à avertir la famille, les amis, etc. On était tellement sous le choc du diagnostic de cette maladie qu'il fallait qu'on digère, en fait. Je crois que sur le coup, j'ai peut-être pas voulu le réaliser tout de suite non plus. Je pense qu'on a tous eu beaucoup, beaucoup de colère. En fait, je sentais que c'était grave et j'en avais déjà parlé aux parents d'Hervé, des proches, etc., que je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Je me souviens que sur le moment, il y en a certains qui n'ont pas compris tout de suite la gravité.
Donc ben, au départ, il n'y avait pas d'auxiliaire de vie, il n'y avait pas de soignants, etc. Ma mère V, il travaillait encore. Il y a quand même une vie saine, il a fait du sport, il ne boit pas, il ne fume pas, etc. Il fait un peu tout ce qu'il faut faire, tout ce que tout le monde conseille, les médecins conseillent. Ben, finalement, ben, voilà, ça vous arrive quand même. On s'adapte en même temps avec la maladie qui évolue. J'ai toujours l'impression que ma langue, elle se lève et elle redescend avant que j'ai le temps d'avaler. Et ça, j'arrive pas à reprendre le coup. Oh, j'ai du mal. Hein. Oui, je le vois. Déjà, hop. C'est bon, vous arrêtez de mastiquer. D'accord? Vous positionnez bien la langue. Les lèvres sont fermées et vous avalez. Allez. J'ai du mal. Et quand vous allez sur internet et que vous tombez sur les choses vraiment, vous vous dites, ok, dans 2 ans c'est tout, ou même dans 6 mois. 6 mois, il n'y a plus rien, c'est fini du jour au lendemain, quoi. On a commencé à s'affirmer aussi à ce moment-là avec ma sœur dans notre famille. Enfin, à vouloir se faire entendre en fait et à pas diminuer la maladie en voulant la comparer avec une autre. Parce que même la famille, pour eux, c'était un choc aussi. Puis à chaque fois, c'est réexpliquer ce que c'est, cette maladie. Parce qu'en fait, la SLO, les gens ne connaissent pas. Remplir tout ce qu'il y avait comme espace autour de moi. Pour ne pas avoir à réfléchir à ce qui est en train de se passer dans la famille. C'est bête, mais j'avais pas prévu ma vie comme ça aussi, de se dire, bah, je vais perdre mon père rapidement, alors que moi j'ai que 25 ans. Enfin, moi je pensais l'avoir jusqu'à ce qu'il ait minimum 80 ans, quoi. La maladie, elle impacte déjà tout le monde. Les rapports sont moins pudiques, il y a quelque chose qui s'est transformé quand même dans la maison. Et vous avez vu ce qui tombe ? De l'eau. Bah attends, faut même toucher. Je t'ai pas mis tes couverts en plus. J'ai essayé pour voir ce qui arrivait. Il n'arrive plus à manger. En fait, il faut lui donner maintenant parce que. Oui, non, je sais, mais là, c'est lui qui prend la fourchette de l'huile. Ouais, il n'y arrive pas. Moi, j'ai déjà dit, je me suis mis à la porte, et j'ai dit, le Covid ne passera pas. Le Covid ne passera pas. Non, mais si c'est prouvé par la science, pourquoi il est mort de rire. C'était tout, là. Tu rigoles. C'était tout. Non, on tape pas. Bah, vous vers quoi ? Pas sur ma tête. Non, faut taper dans le dos. Non, faut pas taper quand quelqu'un fait une fausse route, il doit pencher sa boue. Ça va aller, ça va aller. Tu dois pencher ta tête, comme ça. Penche ta tête. Mais ça va. C'est toi qui vas te prendre tout le vin dans la bouche. Non, dans la bouche. Ouais, regarde. C'est bon ? On va faire une pause quand même. Dans le schéma dans lequel moi je me suis réfugiée, c'est que j'ai énormément essayé d'être dans la fuite en fait de ma réalité. Et après il y a toute cette phase de l'acceptation en fait où on se dit bah c'est comme ça et on peut rien changer. Ça sent le chou. Là ça va aller. On est en combien? Bonjour. Ma jambe gauche. Ma jambe gauche. Il est bloqué. Pousse-le dedans. C'est bon. Vas-y. C'est galère. Heureusement que c'est quand même progressif, mais en fait, il faut toujours. Faut quand même anticiper et s'adapter. J'ai l'infirmière, après, j'ai la soignante, et après, l'auxiliaire de vie. Mais justement, c'est ça que je voulais te demander. T'as perdu pas mal là, non ? Ouais, j'ai pas mal perdu. Ma main droite, j'y arrive pas. Il faut que je tape dessus et encore, tu vois mon petit doigt, j'arrive pas à le redresser. Et là, bah, tu le vois par rapport à la peau sur mes os, tu vois, c'est
dans les muscles qui fondent. Et du coup, comme j'ai plus de muscles ici, maintenant vous voyez que mes bras ne bougent plus, mes mains ont beaucoup de mal. Et la maladie, après 2 ans, s'attaque à ma façon de parler, de déglutir et de respirer. On fait le topo sur la maladie. Et je lui dis, bon, par rapport à ce que vous connaissez, j'en suis où de la maladie? Vous me dites, parce que j'ai remarqué ça, parce que je vois quand même ce qui se passe, hein, je ne suis pas aveugle. Et bien, elle m'a dit, elle ne veut pas parler de la suite. Elle m'a dit, la maladie évolue normalement. Tu prends ça comment, quoi? Tu prends ça, ouais. À un moment donné, ils appellent Valérie. T'es sûr? Et l'autre con. Ah non, mais... Sauf que là, il va pas réussir à se relever. Voilà. Mais c'est pas grave, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, fais comme j'ai dit. Patricia, faut pas faire rire quand tu... Mais franchement, là, c'est pas cool. C'est pas cool. Non, regarde. J'ai dû me résoudre à marcher avec une canne. 3 mois plus tard, avec un tripode. 3 mois plus tard, avec un déambulateur. 3 mois plus tard, dans un fauteuil roulant manuel. Il pouvait encore manier avec ses bras. Fauteuil électrique qui était plus adapté par rapport à sa main. Donc il y a eu le fauteuil électrique. Il faut pouvoir circuler comme on peut. Donc on a déménagé, changé de maison, mais aussi changé de voiture, avoir une voiture adaptée à un fauteuil roulant, donc revendre assez rapidement pour acheter aussi rapidement. C'est ça aussi la réalité de la maladie, c'est être tout le temps dans le rush, parce qu'on se dit le temps est compté et il faut vraiment se dépêcher parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Oh. Madame le député, aujourd'hui vous étiez un peu fatigué. Ouais. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, pour, en fait, je vais vous suivre en fonction de vous. On va faire les grands réglages, tout ça. Ouais. Et si après on doit revenir sur des choses qui prennent un peu plus de temps, voilà, je vous propose un deuxième rendez-vous. Pour pas trop vous. Mais c'est en fonction de vous. C'est vrai, moi j'ai l'impression que vous êtes au fond. Hein. Ouais, mais mon dos il est. Alors attendez, c'est peut-être ça en fait qui vous gêne. C'est le dos qui est en inclinaison. Je sais pas, mais. Si je vois ce que. Parce que vous êtes au fond. Là, je vois, là, vous êtes au fond. Ouais, mon dos, il est au fond, mais mon bassin, il n'est pas au fond. Là, ça s'améliore. C'est plus mieux? Ouais, c'est plus mieux. C'est que ma position, elle fait que je respire pas correctement. L'eau qui a été tellement large que on bougeait dans tous les sens. Justement, vous avez bien maintenu. Là, c'est ouais, bien. Ouais. Une fois qu'on aura trouvé ta position. Bah ouais. Je voudrais pas qu'on ait un accident. Non, pas tout de suite. Hein. C'est la gâchette à gauche, vers le haut. C'est mes doigts qui empompent. En fait, quand il est là, je vais pas pouvoir l'attraper. Là, je suis bien. Là, c'est parce que tu sais quoi, par habitude, je regardais là vraiment derrière, mais en fait, elle est plus à l'intérieur, plus sur le devant, en fait. La nuit, quand on met mal mes jambes, le lendemain, j'ai galère. Ouais, ça me fait mal toute la nuit. Ouais. Alors, j'attrape la poignée et je la dirige comme ça. Avec mes 2 doigts qui sont coincés. Et il m'a plus que dépassé. Ouais. Moi, j'aurais pas pu faire ça. Non, c'est sûr. Depuis, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui patientent sans malheureusement avoir de solution. Ouais. C'est toujours plus de façon intelligent d'en faire don, des choses comme ça, plutôt que ça. Ah, sachant que vous avez un lift et une bascule d'assise, même si un jour voilà, vous allez chez le dentiste, on peut soit le mettre à gauche ou à droite, on peut le mettre ici par exemple, ou sur le côté, ou enfin vraiment après on le met, on va le mettre là où c'est, où
Ou c'est nécessaire? Honnêtement, les 10 doigts, ils commencent à plus tourner comme il faut. Alors là, il me reste l'index et le majeur. De côté, il me reste l'index. La maladie, elle avait vraiment pris toute la place, en fait. Et même dans nos vies. Il faut accepter que tout tourne, tout gravite autour du malade. On est à bout de force. Des fois, c'est pas, on n'est pas patient, forcément, de faire toujours les mêmes gestes. Il faut prendre sur soi. Là, ça a été un gros coup de massue pour nous. Comme je disais, il faut aimer, mais il faut être attentionné. Et il y a eu une longue période où on n'avait pas encore d'aide. On n'avait pas l'aide dont on avait besoin à ce moment-là. C'était dur pour moi de voir quelqu'un qui a été autant actif dans son corps et qui a commencé à se diminuer et du coup qui devenait prisonnier de son corps. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Bon, souvent quand on se marie, bon, on pense pas vraiment à cette phrase. Mais c'est maintenant que cette phrase, elle résonne chez moi. Parce qu'on a eu le meilleur, c'est sûr. Mais le pire, on le vit. Pour lui, c'est terrible. Mais pour mes filles et moi, et puis l'entourage, quoi, ça a un impact énorme, quoi. De nuit, ça empêche que mon pied parte sur l'avant et sur le côté. Et comme ça, j'ai pas de douleur musculaire et tendineuse. Au moins, je ne suis pas réveillé la nuit. Je peux dormir correctement. Tu veux que je fasse un petit peu ma tête? Tu veux que je laisse ton dossier un peu? Ouais. Ouais? Ouais, laisse un petit peu. Là, c'est bon.
Remets-moi sur le dos. J'y vais, hein. Vas-y. Attention à ta main là-bas. Là, je te la prends. Go. Là, j'y vais. Hop. Ah. Une des parties compliquées du matin. L'habillage des pieds. On met la petite orthèse aux orteils parce que les orteils partent en griffe. Et ensuite, les chaussettes de contention. Ça va ? Là, c'est mieux, on vérifiera. Sais, ouais, quand tu seras debout. Hein. Ouais. Si j'ai pas les chaussettes, les pieds gonflent. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, et j'aurai des jambes comme des gros bambous. C'est pour éviter les thromboses veineuses. Ouais. Les phlébites, comme on dit. Voilà, les phlébites. Voilà. C'est pour maintenir le pied, pour empêcher mon pied de partir sur le côté. Le gros orteil, il est pas bon. D'accord. Là, c'est bon ? Ouais. Là, ouais. Ça va mieux. D'accord. Ok. C'est... Il faut trouver le bon équilibre. Ouais, c'est ça. Et à quel moment changer d'appareil, ouais, entre, ouais, le verticalisateur et le lait malade. Parce qu'on essaie de garder au maximum ton autonomie. Donc, ouais. Si t'as un lèvre malade, bah tu feras plus rien du tout. Quoi. Ouais. 1, 2, 1. T'inquiète pas, je vais baisser le pied. Tu peux y aller. D'accord, j'ai bien descendu la ceinture, là, ouais, c'est descendu. Voilà, tenez-vous. Hein. Hervé. Je tiens. Voilà, c'est bon. Ça va ? Et remets-le vers moi, le verté. Voilà. Non mais là c'est... De toute façon... On sait tous comment, on ne sait pas quand, mais on sait que ça arrivera. On en a tous conscience. Hein. Heureusement, après, on a enfin eu de l'aide. Enfin. Ça commencera par l'infirmière. Les auxiliaires qui ont commencé à venir de plus en plus progressivement. Le ou la soignante. Même avec le kiné, l'orthophoniste, le médecin, etc. Ça va. Allez, je t'en... Voilà. Allez. Là, tu peux pousser. C'est bon. Là, tu peux y aller. Ça, ça me fait du bien. Enfin, tout est relatif, oui, hein, bien sûr. Mais je suis pas sûre s'il est bien là pour nous. Ah, il est tout mieux. Ça va ? Ouais, ça va. Bien dur à récupérer. Ah. Oui. Je vais faire des collages. Je crois que j'ai compris. S'il vous plaît, monsieur. Ayez pitié. Voilà. Non, moi, ouais. Je te remonte un petit peu. Attends, ouais, j'ai la technique. Faut que je prenne ta main comme ça. Et comme ça.
Comme ça, en fait, je tentais d'où. Je pourrais faire des marionnettes. Regarde. Il faut absolument que les aidants, ce qu'ils sont souvent les conjoints, voient les enfants du malade, ils restent à leur place. Ils gardent leur rôle de femme ou de mari ou d'enfant. Ils ne doivent pas devenir des soignants au titre médical du terme. Sinon, la famille explose et ce n'est pas ce qu'on veut, bien sûr. Il faut oublier, par exemple, que tu te montres nu devant quelqu'un que tu ne connais pas. Ça, c'est des étapes à franchir, mais tu ne peux pas faire autrement. La difficulté, c'est de garder une bulle personnelle pour garder une certaine intimité. En fait, il faut continuer à se battre. Et ça, il le fait, hein. Il se bat. Si je tiens le coup, elles vont tenir. Et inversement. Il a fait une embolie pulmonaire le jour de son anniversaire. Et comme c'était le confinement, on ne pouvait pas l'accompagner. Il a failli mourir, en fait, ce jour-là. Et on n'a pas pu le voir, on ne pouvait pas être avec lui. Donc ça, c'était super difficile aussi pour nous. Les embolies pulmonaires dans cette maladie, c'est aussi le fait que les personnes en fauteuil ne bougent plus. Même un demi-centimètre, un millimètre, ça peut le changer sa position complètement. Et c'est vraiment important, ça, d'en être conscient aussi, de se dire qu'une chose infime, ça peut découler sur quelque chose de vraiment important pour lui. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'à un moment donné, lui n'aura plus l'occasion de le dire. De toute façon, il y a plein de choses qu'on apprend au fur et à mesure de la maladie, parce que même les médecins ne disent pas tout de suite. Et bien, ils vont dire, bah, ça dépend des personnes, comment que ça évolue, etc. Ok, c'est bien. Parfait. Chaque mois, tu peux faire de moins en moins de choses. Une des difficultés rencontrées avec les personnes aides-soignants, aides-soignantes ou auxiliaires de vie, c'est qu'elles ne connaissent pas suffisamment bien la maladie et elles ont parfois tendance à oublier que ce que tu étais capable de faire le mois dernier, tu ne peux plus le faire ce mois-ci. Faut pas tout le temps parler que de ça. Faut vivre. Faut rester vivant, en fait. J'ai fait une croix sur énormément de choses. J'étais un coureur, j'ai arrêté de faire de la course à pied parce qu'en fauteuil, ça n'allait pas. Mais je me suis tourné vers d'autres choses. Je me suis dit, alors c'est un paradoxe, mais quand on sait que la fin ne va pas très loin, il faut profiter de chaque jour. On sait ce qui se passe, on sait ce qu'on ressent. Alors, à un moment donné, on se disait tout le temps qu'on s'aimait parce que c'est comme si on rattrapait tout le temps perdu d'avant. Chacun, il doit utiliser une image bien personnelle qui lui permettra de dépasser les moments de difficulté et de douleur. Ça peut être n'importe quelle image, aussi bien une image de nature. Tu peux être assis au bord de l'eau à regarder la mer, ou tu peux avoir une image de tes enfants ou de ta famille. J'ai fait le deuil d'un ancien papa et j'en ai découvert un nouveau.
et avec lequel je partage plus de choses, avec lequel j'ai plus de facilité à aller, avec, enfin, il y a vraiment, on s'est vraiment créé une nouvelle relation tous les deux. Il faut quand même insuffler de la vie, il faut rester dans la vie, dans le positif. Les gens se demandent parfois comment on fait pour tenir le coup. Alors, c'est assez facile pour moi parce que je suis bien entouré. À chaque fois que je partais de la maison, je lui disais « je t'aime papa, je t'aime ». Et à chaque fois, il me disait que lui aussi. Et à chaque fois, on fondait en larmes tous les deux. Mais c'en était devenu presque drôle de nous voir comme ça. Non, mais la vie est précieuse, on n'en a qu'une. Et c'est vrai que beaucoup de gens l'oublient, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant. Carpe diem, comme dirait l'autre. Moi, ce qui m'a permis de ne pas sombrer, c'est de penser à la mer. Thank you.